Le monde de la boxe est en deuil. L'un de ses plus grands représentants en France vient de disparaître. Champion de France dans sa carrière, il est décédé à seulement 42 ans dans de bien tristes circonstances. C'est une nouvelle qui a plongé le petit monde de la boxe dans l'émoi. Comme nous l'a appris l'équipe, Julien Marie Sainte est décédé le 25 août dernier dans de terribles circonstances à Marseille. D'après les informations de nos confrères, celui qui a été champion de France des poids moyens a été victime d'un arrêt cardiaque. Ce dernier n'avait que 42 ans et il laisse derrière lui une compagne et trois enfants. C'est arrivé il y a une dizaine de jours. Il a été placé sous respirateur artificiel. La machine a été débranchée vendredi. C'est un véritable drame, déclare son ancien entraîneur du CSL Aulnay-sous-Bois. Nasser Lalaoui. Une bien triste nouvelle et un décès soudain, à seulement 42 ans pour ce grand sportif. Après un décès, on a tendance à dire du bien. Mais Julien, c'était vraiment quelqu'un de très bien élevé. Gentil. Et quel boxeur. Il avait un style offensif, avec une garde hermétique. Quand il montait sur un ring, il cherchait le KO, poursuit Nasser Lalaoui, très affecté par la mort de son ancien boxeur. Le natif de Cherbourg-Manche est devenu champion de France des poids moyens en 2010. Un titre qu'il va réussir à conserver à 4 reprises avant de le perdre en 2011. Victime d'une rupture du biceps gauche. Sa carrière bat de l'aile et il décide de prendre sa retraite en 2015, avec un bilan de 37 victoires, un nul et 7 défaites. Respecté et apprécié de ses pairs, Julien Marie Sainte a eu droit à un beau message de la part de la Fédération Française de Boxe FFB. Quelques heures après la terrible annonce, le boxeur Marie Sainte était adulé, l'homme Julien faisait la quasi-unanimité par sa gentillesse naturelle, ambitieux mais humble et disponible pour tous et toutes. La Normandie pleure son champion et la boxe en France est en deuil, indique la FFB dans son communiqué, avant d'avoir une pensée pour ceux qui l'ont connu, la FF Boxe et son président. Dominique Natto présente leurs condoléances les plus sincères à la compagne de Julien Marie Sainte et à ses trois enfants ainsi qu'à sa famille et à ses proches. Pure People présente ses condoléances à la famille et aux proches de Julien Marie Sainte.